mes amis, bienvenue dans la bibliothèque de Cocotte. Je m'appelle Roxane, j'ai 8 ans et j'adore la lecture. Chaque soir, je vous invite à lire un livre dans ma bibliothèque. Pour ma première vidéo, nous allons découvrir Mais où est l'ours, écrit par Karine Tournade et illustré par Déborah Mousselin. La couverture. Mais où est l'ours? De quoi parle le livre? Dans le grand bois, le chasseur d'ours avance à petits pas, son fusil sur l'épaule et ses moustaches dressées. Il écoute le bruit de la forêt. Derrière un gros buisson, il entend un drôle de son. Cric, cric, cric. C'est sûrement la petite patte de l'ours qui cherche des champignons, se dit le chasseur en pointant son fusil. Mais non, c'est un petit hérisson qui se frotte le dos contre le gros buisson. Ce n'est pas un hérisson que je veux, s'écrie le chasseur en s'arrachant les cheveux. C'est un ours mort bleu. Plus loin, tout en haut d'un grand pommier, le chasseur entend un bruit résonner. Scrooch, scrooch, scrooch. C'est sûrement l'ours qui croque des fruits, se dit le chasseur en pointant son fusil. Mais non, c'est un petit écureuil qui mâche de larges feuilles. Ce n'est pas un écureuil que je veux, que je chasse, s'écrie le petit homme en s'arrachant les moustaches. C'est un ours que je veux, morbleu. En s'approchant d'un étang, il entend un étrange clapement. C'est sûrement l'ours qui boit, se dit le chasseur en pointant son fusil. Mais non, c'est un petit blaireau qui lèche son museau. Mais ce n'est pas un blaireau que je veux au bout de ma gâchette, s'écrie le chasseur en arrachant ses chaussettes. Ces ours que je veux morbleu. En passant devant l'entrée d'une grotte, le chasseur s'arrête au bruit d'un ronflement. C'est sûrement l'ours qui dort, s'écrie le chasseur en pointant son fusil. Ah oui, cette fois, c'est bien lui. C'est l'ours qui dort avec son petit. Mais au lieu de tirer, le chasseur se retire sur la pointe des pieds. Ce serait une folie de gâcher un spectacle si joli, se dit le petit homme en rangeant son fusil. Ouais, les amis, nous avons lu Mais où est l'ours? J'espère qu'elle vous a plu. Alors, à demain pour une autre histoire. Likez et partagez. Au revoir.